We ask the speakers, sorry about that, to keep time, please, because we are a bit late. We start the day a little bit late today, and we just to try to keep up with the, because it's a long day today. We're going to have the group work, so thank you to keep on the time. And obviously, we will allow for times of questions, but try to be as precise as we can from now. Thank you. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le cadre de cet atelier d'introduction des vaccins PCV et rotavirus, nous allons vous présenter la situation du GTCV Tchad qui, en réalité, vient de naître et comment ce groupe qui vient d'être créé a été donc constitué, composé pour pouvoir accompagner, encadrer l'introduction de ces deux vaccins. Alors, le plan de la présentation va s'articuler autour des points suivants. Le contexte du Tchad, la situation de la vaccination au Tchad, l'historique de la création du GTCV, les structures et membres du GTCV, les défis, comme la structure vient de naître, il y a des défis, les considérations spécifiques relatives aux vaccins PCV et rotavirus, les attentes du GTCV Tchad pour cet atelier, et nous allons terminer par une conclusion. Alors, pour le contexte, bon, pour les amis qui ne connaissent pas le pays, le Tchad est un très grand pays, avec 1 284 000 km², une population d'environ 18 millions de personnes pour l'estimation 2023. La densité moyenne est de 10,65 habitants au kilomètre, mais très variable du nord au sud. Le taux de croissance est de 3,6. Les enfants de 0 à 59 mois représentent 20,20% de la population. Trois zones climatiques dans le pays. Il y a une zone désertique, une zone semi-désertique et une zone soudanienne. En ce qui concerne l'indice de développement humain, en 2019, le Tchad était classé au 187e rang sur les 189 pays. Le budget de la santé représente 7,47% du budget général de l'État en 2021. Pour le système de santé, le pays est découpé en 23 délégations sanitaires ou provinces et 160 districts sanitaires, donc 139 fonctionnels, avec 88 hôpitaux de district, 1915 centres de santé fonctionnels, 23 hôpitaux de province et 4 hôpitaux nationaux qui sont des centres hospitalo-universitaires. Le taux de couverture théorique est de 86% et le taux d'utilisation 27%. L'espérance de vie selon les données du système d'information sanitaire de 2019 est de 64 ans. La situation des vaccins au Tchad, juste vous donner un aperçu, il y a les vaccins pour la première enfance, donc le BCG, diphtérie, coqueluche, tétanos, polio. Ensuite, nous avons le vaccin antitétanique, le vaccin anti-rougeolot, le vaccin anti-amaryl, le vaccin anti-méningitique, le vaccin COVID-19 pour les 18 ans et plus, le vaccin anti-hépatitique et les vaccins qui sont dans le processus d'introduction. Il y a donc le PCV, le rotavirus et le paludisme. L'histoire ou l'historique de la création du GTCV, je disais au départ que nous venons de naître, donc le GTCV du Tchad est créé par un arrêté du Premier ministre numéro 4464 du 18 avril 2023. Les membres ont été nommés par un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Prévention du 8 août 2023, donc le mois passé,
et les membres ont été installés le 18 août par le ministre. La première séance de briefing sur la mission du GTCV a eu lieu le 6 septembre 2023 par Zoom avec les collègues du bureau régional de l'OMS et ceux du bureau pays. Il est prévu donc dans les prochaines semaines une formation des membres du GTCV, ensuite l'élaboration du manuel de procédure et le plan d'action. Je crois que nous sommes en train de parler de l'introduction des vaccins PCV et Rota. Ce plan d'action va faire donc une place de choix à l'introduction de ces deux vaccins. En ce qui concerne la structure ou les structures, nous avons dans un premier temps les membres principaux du GTCV Tchad, qui sont au nombre de 11. Et sur les 11 membres du GTCV, nous avons 7 professeurs d'université et 4 médecins spécialistes. Vous voyez, il y a une variété, diversité, multidisciplinarité, je dirais, de ces membres-là. On a un chirurgien, un nutritionniste, un gastro-entérologue, un pédiatre, 2 médecins spécialistes en santé publique, un gynécologue obstétricien, un spécialiste en gestion des hôpitaux, un pharmacologue, un biologiste, un infectiologue. Nous pensons que cette multidisciplinarité est un atout pour notre groupe. En ce qui concerne les membres ex-officio, ils sont au nombre de 19. Et nous avons le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention qui avait ouvert notre session hier. Nous avons 4 directeurs généraux, le DG de la Santé publique, le DG de la pharmacie, du médicament et du laboratoire, le DG de la coopération, de la planification et de l'information sanitaire, le DG des ressources, des infrastructures et des équipements. En plus de ces DG, nous avons 9 directeurs centraux ou directeurs techniques venant de divers ministères. Nous avons là le ministère des Finances, le ministère de l'Élevage, le ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, le ministère de l'Administration du Territoire, le ministère de la Santé, bien sûr, le ministère de la Communication, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons également des personnalités qui sont dans le groupe, qui sont membres de ex-officieux. Donc nous avons la ministre du ministre de la Santé. Nous avons le chef de service de pharmacovigilance. Nous avons le coordonnateur du projet Santé Banque mondiale et 2 consultants. En plus des membres ex-officieux, nous avons donc 6 membres de liaison, donc un représentant de l'Ordre national des médecins, un représentant de l'Ordre national des pharmaciens, un représentant du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, un représentant de l'Organisation mondiale de la santé, un représentant de l'UNICEF, un représentant des organisations de la société civile. Et enfin, pour le groupe, il y a le secrétariat. Je crois que les présentations qui m'ont précédé ont parlé de ce secrétariat-là. C'est une équipe importante donc, pour le fonctionnement du GTCV. Nous avons donc la direction du programme élargi de vaccination qui est représentée par 2 personnes. Il y a 2 représentants de l'Organisation mondiale de la santé et 2 représentants de l'UNICEF. Alors, comme une équipe nouvellement mise en place, il y aura des défis, ça c'est à coup sûr. Il y a donc l'accès aux données probantes pour la prise de décision. Je crois que ça a été évoqué tout à l'heure par les collègues. L'accès aux formations des membres et les échanges d'expérience. Ça également, je pense que c'est important et on aura à faire face à ça. L'assurance de la régularité des réunions. Le plan de communication, c'est sûr, on va avoir à faire beaucoup de communication, donc nous avons besoin donc d'avoir ce plan de communication et l'éternel problème de financement de nos structures. Alors, considérations spécifiques relatives à l'introduction des vaccins PCV et rotavirus. Une fois encore, nous venons de naître, mais lors de notre introduction, notre
installation, les deux vaccins, PCV et rotavirus, étaient déjà dans le processus de leur introduction. Il y avait eu des discussions donc, au niveau du comité technique d'appui au PEV, et il y a eu donc la mise en place de groupes de travail. Et ces groupes de travail ont donc travaillé sur le choix des vaccins et l'élaboration de la demande de soumission. Il est prévu la relecture de cette demande de soumission d'ici la semaine prochaine. Et la soumission elle-même est envisagée pour le 3 octobre 2023. Et nous pensons que, en tant que groupe technique consultatif, nous serons de la partie pour pouvoir donc encadrer, guider les éléments qui vont servir pour cette soumission. Étant donné que c'est de nouveaux vaccins qui vont être introduits, des projets de recherche sur des sujets d'intérêt vont être proposés donc par notre groupe pour pouvoir donc encadrer cette introduction. Alors, qu'est-ce que le GTCV Tchad attend de cette rencontre? Eh bien, c'est échanger avec les autres GTCV, et ça, ça a commencé depuis hier. Profiter des expériences des GTCV plus anciens afin de mieux s'organiser et remplir efficacement la mission qui est la nôtre. Acquérir les principales sources d'informations relatives aux vaccins en général et en particulier pour les vaccins PCV et rotavirus. Et obtenir des documents sur obtenir des documents sur les données probantes sur les deux vaccins afin d'éclairer les recommandations du groupe. Je crois que les recommandations, il y en aura. Donc, nous avons besoin vraiment des données probantes pour émettre ces recommandations. Pour terminer, ce que nous pouvons dire, c'est que le GTCV de Tchad vient de voir le jour. Mais son engagement pour guider l'introduction des vaccins PCV et rotavirus est assuré au regard de la composition de cette équipe-là. Vous avez vu tout à l'heure, c'est plusieurs disciplines qui sont représentées et aussi au regard de la disponibilité de ses membres. Un accompagnement est nécessaire pour permettre donc à ce groupe de relever les défis qui sont énoncés dans cette présentation et notamment pour l'introduction efficace des vaccins PCV et rotavirus objet de cet atelier. Je vous remercie pour votre aimable attention.